patrimoine. Ouh, c'est vague. Le patrimoine, c'est la vie de la commune. Ça m'évoque quoi, le patrimoine? Bon, il y a plein de choses. Hein. Le patrimoine, c'est les monuments importants sur la machine ou sur... Oh bah, le patrimoine, c'est ce qu'on arrive à conserver. Oh, vaste question. C'est l'ensemble de ce qui constitue une identité pour une collectivité. Le patrimoine, c'est quelque chose à quoi je suis très attachée. Parce que je pense qu'il y a là les sources d'un déroulement de vie. Le patrimoine, bah, c'est notre passé, le passé local. Tout ce qui a été vécu, à vivre aussi. Ça évoque l'histoire de ce département, parce que c'est à la fois les ressources minérales, le bois et ensuite le charbon qui a fait de ce territoire départemental un territoire à l'industrie métallurgique forte. Ben, je trouve que c'est très bien, le patrimoine, ça rappelle nos anciens. Ah ben, le patrimoine, pour moi, c'est tout ce qui existe, qui reste de ce qu'il y avait à la machine avant. Le patrimoine, c'est tout ce qui compose une municipalité, tout ce qui compose la ville en général. Je crois que vraiment la machine est une ville où le patrimoine est très ancré. Et sans ce patrimoine, il n'y aurait pas de ville. Je crois que c'est vraiment très lié, ce qui n'empêche que ce patrimoine ne doit pas empêcher la ville de se développer et d'aller vers le futur. Le patrimoine de la machine, bon, c'est les mines, hein, je veux dire. C'est la mine, quoi. Le musée de la mine. La mine, la galerie, la machine, c'est vraiment... C'est vrai que... Pour moi, la machine, c'est le musée de la mine. Mairie. C'est la mine. Ah bah c'était surtout les ouvriers. La fraternité entre les ouvriers et tout ça, la mine, c'était vraiment. Alors le patrimoine local, bien évidemment, ça passe par la mine, puisque la machine, c'est une ville minière. Eh bien, il y a déjà les temps grenquets, tiens, vous y êtes là. Puis il y a le musée de la mine, c'est pas mal. Bien, c'est conserver tout ce qu'il y avait avant dans les anciens. Quoi. Il y a le musée de la mine, quoi. Il y a l'étang. Tout ce qui est souvenir sur la ville de la machine, toutes les houillères, tout ce qui touche la mine. Donc, c'est les tons glaciers, le musée de la mine. Bah, c'est le souvenir de la ville, les souvenirs de la ville. L'ancien temps, la richesse de la ville. Il y a le musée de la mine, qui a 30 ans. Le patrimoine minier, c'est quelque chose qui colle à la ville de la machine, puisqu'il n'y a pas eu des mines partout dans le secteur, et puis en fait, s'il n'y avait pas eu la mine, il n'y aurait pas la machine. Le musée de la mine, mine et image, et voilà. Ben, le musée et la mine, surtout la mine, là où il y avait la mine, les glénons aussi. Oui, et voilà, tous les glénons. Bon, il y a le musée de la mine qui fait partie du gros patrimoine. Bon, mais comment je pourrais dire, il doit y avoir des souvenirs autres que des souvenirs miniers sur la vie plutôt des gens qui travaillaient à la mine. Hein. Le patrimoine de la machine, pour moi, c'est bien sûr les mines avec la réouverture du puits en visite avec son chevalement. C'est aussi le musée, mais c'est aussi toute cette architecture des villes minières. Oui. Parce que comme ça, après, on peut le dire à nos futurs petits-fils, petits-petits, arrière-arrière, etc. Bah oui, parce que ça montre comment c'était avant. Ça évoque la mémoire. Ça évoque la mémoire de tous nos mineurs qui ont travaillé à la machine et qui vont transmettre tout leur travail, tout leur savoir, tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont vécu aux générations futures. C'est très important, je vais vous dire, enfin, à mon sens. C'est parce que garder son histoire, conserver son histoire, c'est aussi se donner des pieds solidement attachés
sur son terroir pour se projeter dans l'avenir. Le patrimoine minier, c'est déjà l'histoire de la machine depuis qu'elle a été créée autour de la mine, hein, donc c'est comme ça. Et puis c'est aussi la naissance d'un métier, et puis toute une habitude que les gens avaient entre eux de plein de choses. Le souvenir de la création, de tout ce qui se passait avant aussi. Oui, c'est important. Oui. Ça montre ce que les mineurs ils ont fait avant. Quoi. Oui, c'est toute la machine. La machine. En général, moi, je suis d'une famille de mineurs, donc. Plus, ouais. C'est un truc à conserver, que nos enfants au moins puissent se souvenir. Ah oui, très important. Et pour souvenir des parents, des grands-parents, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux que. Oui, très important. Le patrimoine, c'est quelque chose d'important. Il faut se soucier du patrimoine, le faire perdurer. Oui, pour que tous les enfants connaissent un petit peu le musée de la mine, oui. Pour moi, c'est important parce que, bon, il y a longtemps que je m'intéresse à tout ce qui se passe à la machine. Et puis, voilà, quoi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Le musée de la mine, c'est enrichissant pour, comme moi, mon papa, il a travaillé. Donc, pour moi, c'est important de savoir le métier qu'il a fait au sein de la mine. J'ai peur, c'est qu'il n'y aura plus d'anciens pour animer les guides, quoi. Les guides, il n'y aura plus d'anciens, quoi. Il n'y a plus beaucoup de mineurs maintenant, c'était surtout les anciens, quoi. Maintenant, ça a quand même changé de... Avec les petits jeunes, là, qui sont, ils ne sont pas quand même formés pour, encore, comme les anciens mineurs qui connaissaient tout le boulot, quoi. Hein? Non seulement c'est important, mais il faut le conserver le plus longtemps possible. Parce que c'est la vie de la machine, c'est la vie de la mine, c'est les mineurs, et tout le monde est fier de la mine et des mineurs. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut préserver. On a dans la Nièvre beaucoup de petites choses comme ça à voir, et c'est vrai que le musée en fait partie. C'est quelque chose à préserver et à garder. Ah oui, de toute façon, je pense que ne serait-ce que le musée, enfin tout ce qui a été fait, c'est quelque chose qui doit se pérenniser. Les générations futures, on va pas faire de l'archéologie, mais c'est vrai que les générations futures, de toute façon, sont très intéressées par le passé. Ça permet aux jeunes de voir ce que c'était à l'époque. Aujourd'hui, on a deux points formidables à la machine. C'est l'étang Grenetier et le musée. C'est important de conserver nos racines. Ça fait partie de l'histoire du pays, l'histoire de la Nièvre. Et puis tout ça, c'est lié. Le charbon est lié avec la métallurgie, avec le canal du Nivernais, avec tout c'est le port de la Copine. Moi, je me suis élevé autour du port de la Copine, alors je connais bien. Parce qu'on apprend des choses là, sur notre ville. Ah, mais je pense que dans un territoire, là, conserver le musée ici, mais dans un territoire, il faut toujours être fier de ce que l'on est. Il faut savoir s'appuyer sur ce qui est la réalité de ce territoire, du territoire où on est. C'est pas pour l'ensemble du département de la Nièvre. Il faut surtout pas vouloir ressembler aux autres. Je le dis toujours, on vaut bien les autres. On vaut pas plus, on vaut pas mieux. Mais soyons ce que l'on est. Ben, le musée de la mine, c'est le meilleur souvenir parce qu'il n'y a que là maintenant qu'on peut venir voir quelque chose qui reste de la mine. Que ce soit des outils, que ce soit du matériel, des photos, tout est là-bas, tout ce qu'on a pu retrouver. Et on y a tout mis là-bas. Et donc quand on veut retrouver la mine, parce que d'en parler, ça ne suffit pas forcément, il faut aller regarder là-bas. C'est tout ce qu'ont acquis nos anciens. Et qu'on ne veut pas voir partir. Que sais-je de bord ? Bien aimé, c'est la visite avec un mineur, entre autres, qui nous donne son ressenti, son vécu. Oui, c'est plus vivant. C'est beaucoup plus vivant, ouais. Vraiment, ça vaut le coup, oui, c'est sûr. D'accord. C'est bien pour les personnes âgées, franchement, mais pour les jeunes, moi, j'ai pour le but d'aller visiter les événements. Tout à fait, à chaque fois que j'ai des invités qui ne sont pas de la machine, je les emmène au musée de la mine. Et moi-même, je l'ai visité tout au début de sa création. Ça permet aux gens de la machine de connaître la vraie histoire. Très bien. C'est très bien. Et ben, c'est très bien reconstitué.
Moi-même, j'étais mineur aussi, de 16 à 18 ans. Oui. Même mon père a participé à l'établissement du puits des Glénans. Il a participé à la création de la mine de la galerie. Non, pas moi. Mon mari, moi non, je sais pas comment on se trouve, mais pas loin. Mais mon mari, mon père, enfin ma famille, c'était super. C'est sympa, même les enfants. Quoi. C'est très bien, il y a longtemps qu'il existe. Je l'ai visité dès les premiers instants, je l'ai visité. Aussitôt que je peux envoyer quelqu'un le visiter, je l'envoie. Ah, le musée, ça invoque tout un monde qui, au départ, me faisait un petit peu peur, parce que quand j'ai été nommée à la machine, on m'a dit, ma Pouvier, tu vas voir les gueules noires, j'avais la peur. Et puis finalement, c'était des gens charmants. Ben, j'en pense qu'il y a... C'était super bien quand il y avait tous les mineurs qui surveillaient. Maintenant, malheureusement, des mineurs, il n'y en a plus guère. Hein. Ils sont encore quelques-uns. Et... C'est très intéressant pour tout le monde. Ah, le musée, je le connais pas fortement, je le connais sur le bout des doigts. Et voilà. Vous en pensez quoi? Ben, je pensais qu'on a fait... Peut-être une belle chose, parce que je suis bienvenu, je n'étais pas tout seul. On a fait une belle chose de conserver ce patrimoine, parce que pour la jeunesse à venir, pour qu'un jour ils puissent savoir qu'est-ce que la mine représentait à la machine. Parce que ça représente la ville, le musée représente la ville par le fait. Et même à l'entrée, l'entrée de la ville avec le... L'entrée du musée, là, il devrait être encore plus revalorisé. Oui, j'ai déjà visité 4-5 fois. Et chaque fois que je reçois des amis, c'est le plaisir de leur faire visiter le musée de la mine. C'est la seule attraction pratiquement qu'il y a à la machine. Ça apporte du tourisme, ça développe un petit peu l'économie. Et oui, je connais un petit peu parce que le conseil général... amène son expérience sur la gestion des musées, contribue à développer le musée lui-même et à faire en sorte que ce soit un rayonnement autour de la machine, bien sûr, mais aussi pour la mine. Pour moi, le musée de la mine, c'est d'abord une association, c'est d'abord une rencontre entre des personnes pour sauver du matériel, sauver une histoire. Et c'est un musée qui a su évoluer, qui est passé d'une gestion municipale à une gestion communautaire de communes, ce qui a permis une ouverture sur d'autres musées. Et je crois qu'il est en bonne voie d'évolution et le nombre croissant de visiteurs le prouve. Le musée de la mine, c'est un véritable petit joyau qui a l'avantage de révéler tous les particularismes machinois, qui est vraiment la carte d'identité de cette collectivité. Non seulement c'est important, mais il faut absolument le développer, le consolider. Et nous avons quelques idées d'ailleurs dans les cartons à ce niveau-là.